Marie dans sa cage. Grincheuse et irritable. Comme chaque fois, elle sème la perturbation. Rhino féroce. Bip, bip, bap, bip, bip. Bip, 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 bip. C'est chaque fois un petit peu mieux, ma danse de début. T'es d'accord? Oui. Bah oui. C'est pour ça que tu me lances des trucs, en fait. C'est parce que tu es heureux. Non, c'est parce que je sais qu'il y a des types dégueulasses qui regardent cette vidéo uniquement pour deux bonnes raisons. Mes oreilles. C'est ça. Voilà. Alors, on parle beaucoup de musiciens ces temps, déjà même des morts. Hein. Mais est-ce que tu sais que selon toute vraisemblance, non seulement tous les métiers manuels chiants et répétitifs seront bientôt remplacés par des machines, ce qui est, je vous le rappelle, plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque dire à une caissière que vous préférez passer chez elle plutôt qu'à une caisse automatique pour lui garantir son job, c'est comme si on avait promis aux mineurs de ne jamais utiliser l'électricité pour garantir qu'ils aillent toujours crever d'un coup de grisou au fond de leur mine. Bah oui, il faut bien qu'ils nous ramènent du charbon. Faut qu'on leur garantisse ça. Ah ! Mais passons. Donc ces métiers seront remplacés, hein. Et puis les autres aussi. Bye bye les musiciens, hein, qui se croyaient plus malins que les autres et à l'abri, voici venus les algorithmes. Tu connais un peu les algorithmes ? Moi je connaissais Al Corley, Square Rooms. Eh ben il y a algorithme aussi. Alors là j'entends mon physicien de frère retenir son souffle avant de hurler de rire, parce que lui mieux que quiconque connaît mes capacités dans ce domaine, mais laissez-moi quand même tenter de vous expliquer de quoi il s'agit. Un algorithme, c'est ce qui fait que lorsque vous cliquez sur une photo de canapé que vous trouvez jolie sur internet, en arrivant sur votre profil Facebook, paf, vous êtes bombardé de publicités pour des canapés. Ou le saumon. Ou du saumon. Voilà. Alors c'est un peu le moyen d'anticiper n'importe quoi en analysant les faits et gestes de tout le monde. Des milliards de données analysées dans des immenses ordinateurs qui utilisent à eux seuls suffisamment d'électricité pour faire tourner Paris en hiver. Alors aujourd'hui, les algorithmes, hein, peuvent vous permettre de ne jamais tomber sur un article qui pourrait remettre en question vos convictions, j'ai de la peine, vos convictions de suprémaciste blanc par exemple, ou vous permettre de ne jamais manquer une bonne occasion de dépenser le pognon que vous n'avez pas. Mais ils permettent aussi de calculer assez précisément quels seront les tubes de demain en analysant tout ce que nous écoutons. Coucou Apple qui vient d'acheter Shazam pour une très très grosse somme par exemple. Et donc de cerner le marché pour mieux le contrôler. Jusqu'ici, certains robots pouvaient même remplacer des musiciens ou reproduire de la musique classique en suivant des partitions. Il y a aussi des mecs qui viennent avec uniquement une clé USB sur scène. Et puis qui se font payer très très cher dans les festivals. Ils peuvent se la mettre où je pense. Voilà. Et puis la grande nouveauté, c'est DadaBots. DadaBots, c'est le premier robot capable de créer un album de black metal en utilisant des algorithmes. Si c'est pas beau ça. Oui, du black metal créé par une intelligence artificielle. Et le pire, c'est que l'album qui s'appelle Goditani of Timeness, il est pas dégueulasse. Il est pas bien non plus, hein, je vous rassure, mais il est pas dégueulasse. On s'écoute un extrait. Je dis pas dégueulasse. Hein. Heureusement qu'on ne diffuse pas de morceaux, ce serait un suicide radiophonique. Pour parvenir à ce résultat, DadaBots a décortiqué, analysé, puis reproduit la manière de faire d'un groupe de black metal. Et puis, le schéma a été reproduit des millions et des millions de fois pour arriver enfin à quelque chose d'original qui lui était propre. Hein. Il a fallu l'entraîner. Donc il y a vraiment toute une équipe derrière d'ingénieurs qui lui ont montré comment faire, qui ont un peu corrigé le tir. Et puis, ils sont arrivés finalement à un résultat qui pourrait en bluffer plus d'un. Enfin, surtout si vous n'écoutez pas de musique au quotidien. Mais il n'y a pas de chant? Il n'y a pas de chant, non. Alors c'est pas du black metal? Bah, dis donc, il y a quand même plein d'albums instrus. Ça veut dire black que les metal. Chanteurs ne pourront jamais être remplacés par des machines. Mais si, ça vient. Avec la force, mais est avec si, moi. Ça vient, ça vient. Au final, un premier essai réussi, hein, on peut le dire, et quelques musiciens qui tremblent. Est-ce que cet album sonne le début de la fin, déjà? Est-ce que même nous, nous finirons remplacés par des robots? Rien n'est moins sûr, et d'ailleurs, maigre consolation, il semblerait que, tout comme la plupart des musiciens de métal indépendants, DadaBots n'ait pas touché un centime pour son boulot. Il c'est y a donc encore de l'espoir. On se quitte en écoutant un titre d'un autre album, donc. Oh, il n'est pas content, DadaBots, calme-toi. Hein, avec des musiciens derrière leurs instruments, puisque, comme le disait mon cher Franck Pourpri, passer un extrait de 10 secondes de cet album... Déjà est en train de taper un ordinateur. Voilà. Donc passer un extrait de 10 secondes de cet album est déjà pénible, mais passer un morceau entier relève, comme tu le disais, du suicide radiophonique. Et comme le taux de suicide grimpe déjà pendant les fêtes, profitons-en pour passer un bon titre bien de chez nous, hein, un extrait du prochain album de Cold Guns, attendu comme la pluie après la chasseresse, comme un coup la de bégon, la sécheresse de Jacques ma bouche. Jacques Chasseresse, un bon coup livre. De bégon après une attaque de sauterelle. Malheureusement, il faudra encore patienter jusqu'en mars.
On se quitte avec Anchor It de Cold Guns, puis nous, on se voit la semaine prochaine. Oui, pour une spéciale Noël. En même temps, ce qui est bien avec Dada Bot, c'est que lui, contrairement à certaines mouvances black metal, peut pas lever le bras droit. Voilà. Marie, dans sa cage.